Xôm trình cùi. Ông chủ mới sẽ là đồng bóng bạc cá, to cái nhóm nào ca như tế vị thí sao nào ca. Tạm cao về phía đại bàn cửa túc nơi thằng ngày ní. Ông chủ mới thằng thư sao nào ca lưu ca bằng hai anh ấy kể xa gần lưu. Vẹ con ông ông hết ca chanh bọt mình chia nơi ca rì và phía vị phía. Sao nào ca bằng hai anh ấy kể xa gần lưu ní. Miền dạy phía phía thằng ngày. Đại nơi thằng ngày ní, ông chủ mới nâng ảnh nhạt ai xa hạ bà rìa nhá. Nâng xa hạ mê thư vi nôm múc nằm nàng đào mặt đăng rọt bạo ní. Miền nào ca đạ bằng hai anh kia xa cần lưu được bỏ phụ kế hai xa na tóm thư lá nơi thay bỏ hoa thì còn bấy khai cả nhà trang bị bọn đọc là mùi làm chi xa na ca lúc cả nhà xì hoang là đi ca bị sàn phía bọn tầm miến thì ký bộ cô chàng lái đây ông dùng ra có hành trình chỗ ruộng cách na ca xa na ca được khai này Xong group lục bà thiên, xâm rạp xâm nà ca nơi thang ngày ní, phải làm chi cắt xâm quạc khuyên thang, group thị kỳ tăng ớt, nơi rừng cái đầy ní, miên vọt tầm miền. Lực lên tài lục rơi đồ riêng chấn, mê thư vị ân trả chết, cà phì cái đầy ai lục nguồn chía, ban chung lần đầm nâng mọc thang, nâng ở vọt tầm miền nơi xâm nà ca thang ngày ní, đầy xa mù là hẹt sọc hiệp. Đầy lái lục nguồn chía, miên vọt tầm miền nơi bắn tục không khuôn kháng kram xa xâm nà ca ní, đầy lục xa xông, đeo băng sức miên vọt tầm miền đẹp to vì bắn tục xâm nà ca nơi thang ngày ní. Đi khách lê bóng sức rồi bỏ lục nguồn chí, ban bà cô đã có làm chí rồi hỏi, xong bỏ con lục bà thiên. Bỏ con cả nhà xì hóa. Chí nắm bóng, ông nhìn lê xâm rách lê xâm ná xong rồi bỏ chung nhập trọng nguồn chí cho môn sân. Ông nhìn lê ban đầu tuôn, đi khách xong lê bóng sức cho rùm sao nà ca đẹp tòa, khăn ông một tốt sao nà ca ní, rồi bỏ chung nhập trọng nguồn chí cho thang ngay thì bỏ mũi khai cả nhà xăm bị con đọc bỏ mũi. Để ban mình chạy thả đầy con miền bài nhà sổ cập hiếp chư có bá chư chẳng kết màn ai những cư dụ bán màn ai trong ở rõm bàn dũ nâng đám bây mình là tập hiếp cho ruông sao nà ca nhiệt khai khẩu mốc ở miền sật hiếp luôn xông lẽ bóng sứt cho ruông nâng miền vọt tầm miền đẹp tòa khăn ông một tốt sao nà ca nơi thang ngay thì bảo mùi khai cả nhà chẳng bị bọn đọc bảo mùi mình thử vi ca biệt ở đây là bọc luôn màn pháp ẩm phí phá 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 nê ca lẽ bóng sứt nít thả ca lẽ bóng sứt nít màn ai bọ sài thả chỉ ca là bóng sứt rồi bọc luôn trong ca cắt đây đầy dụt được thóa rư co sứt trong ca chấm tòa từ nâng phó táng trong các đạo bằng hai đại chung từ là ca ní cực bì về liên này sang là ca lửa rút luôn lại ban khơi cầm nót hai pin nứt sau cấp tiếp chun chọp chọn nôn chia đại thu lang đại cực bẹt bảy trăm ca pin nứt phía ba thái toàn sau cấp tiếp chun chọp chọn nơi ở ta có cho thằng ngày thì bỏ mũi cả nhà chăm bị bòn đập bỏ mũi ban cọt sùng co thả san tiếp bỏ lục nôn chia thằng ngày ní miền là ca đã chư chẳng kết chia bảy trăm ông quy yếu căn thì chư khăng nâng bán phát đo án ưu sát thả xô mà ông dùm rẻ hàng nhát ở lúc nguồn chía cho ruông tam đàn cách nằm nà ca sao nà ca phì mật thúc kháng kào ông xa sao nà ca này. Bài lưu mù thán này nâng dùng tam bọt bài nhát này về thiên. Bài xa mùi bà răm này về thiên tây khăn ông ở bộ tổ có ông dùm rẻ dù lập rộp nâng nhát ở chung chọp chọp nguồn chía cho ruông tam đàn cách nằm nà ca sao nà ca phì chồng ngái. Phì mật thúc không khuôn muối thất nơi kháng kào ông xa sao nà ca này tam rẻ ở bộ có sọt thuốc xâm rạp rẻ phí sao nà pinh mùi thay này. Bằng có bài bộ cử lực này sau tốt cho bật con sau tốt xâm rạp chung chọp chọn nguồn chí ai cho ruộng nâng tam đàn cách nằm nà ca sao nà ca bị chồng ngái phì mật thúc không khuôn mũi thân kháng kào ông xa sao nà ca ní nông dạ phì này cách nằm nà ca sao nà ca xâm rạp ngay ní ông chung rác xôm lực thả tam rỉ dạ email tháng ngày tì xam sắp nâng tì xam sắp mũi khai xây hai chăm bì bòn đọc rằm mũi ông chung rác ban cầm nót vô tháng ngày tì bởi mũi khai cả nhà chăm bì bòn đọc rằm mũi đám bây thư sao nà ca bằng hai ai xa cử lực nâng bàn sân áo ở phía kỳ đại miên bóng đoán đạp bằng hai ngày cả xa tới chú nằm nâng một ông dùm rẻ vì chai tà na này cả đạp bằng hai ngày cả xa nâng rư ca chơi lại tốt từ nâng ngày cả xa rồi bóc phía kỳ sẽ tiền và sân bà phụ kỳ miên bóng đoán thua địch này xã phía nhá xã mê thư vi nó mục đồng nàng đà mặt đằng rọt bạc ní bàn chơi lại tốt một căn ông dùm rẻ thả phụ luôn miên bóng đoán bằng hai ngày cả xa ngủ lưu nâng chơi lại tốt rư cắt dùm có từ lưu ngày cả xa đại nâng đạp bằng hai đòi phía kỳ sẽ tiền chấm nay công mê thư vi ca phía cái đây lục khiêu dùm luôn chia nâng khiêu dùm phót bàn chơi tốp thà công bọc luôn bằng miếng bằng đón bằng hai ai cả sang lực nụ tê phần tái công mê thư vi ca phía cái đây lục khiêu dùm phót đẹp xa dùm hố chơi tốp rư cót dùm có từ nâng ai cả xa đai lưng đạm hai đòi xa hạ phía nhá nâng xa hạ mê thư vi nò múc nằm nàng đòi đang bằng đăng rạch bạc bình ý đức nên hít đáy ông dùm đeo bàn này nòm ở việc kỳ bắt đo bình chi ai cả xa để luôn miếng bằng đón chong bằng hai một ông dùm đeo nâng phía kỳ xe tiết ở bàn môn phía chập đàm sao nà cá nâng giang du bóng phót trong ngày thì pram khai cảnh ná
ការបង្ហាញឯកសារកលិះរបស់ខ្លួនការបង្ហាញឯកសារកលិះរបស់ខ្លួនការបង្ហាញឯកសារកលិះនឹងចាប់ដើមមុនដំបូងគេដោយសហព្រះញ្ញានិងសហភីមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីបានផ្ដល់បញ្ជីឯកសារកលិះរបស់ខ្លួនតាមកាលបញ្ឆេទដែលបានកំណត់សម្រាប់សាវនាការបង្ហាញឯកសារកលិះនេះភាគីនីមួយៗមានពេលវេលាកន្លះថ្ងៃនៃថ្ងៃសាវនាការដើម្បីបង្ហាញឯកសារកលិះរបស់ខ្លួនការបង្ហាញឯកសារកលិះនឹងចាប់ដើមមុនដំបូងគេដោយសហព្រះញ
ក្នុងការដាក់ឯកសារកលឹះនេះអង្គជំនះស្នើឲ្យភាគីអនុវត្តតាមស្មារតីនៃអនុសញ្ញារបស់អង្គជំនះចុះថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2006អ៊ី335និងសហមេធាវីនាំមុខដើម្បីរដ្ឋប្បវេណីក្នុងការដាក់ឯកសារកលឹះនេះអង្គជំនះស្នើឲ្យភាគីអនុវត្តតាមស្មារតីនៃអនុសញ្ញារបស់អង្គជំនះចុះថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2006អ៊ី335ជីវិតអង្គជំនះប្រកួតវិទ្យាជូនទៅសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើការដាក់បង្ហាញឯកសារកលឹះរបស់ខ្លួនសូមជ័យលោកសហ
Merci, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour aux avocats ici présents. Les documents clés que je vais présenter au nom du bureau de procureur ce matin, peut-être vous partez d'après-midi également, concernent la réglementation du mariage et la politique de la famille. Ils sont tout à la fois des documents d'époque, des études sur le sujet des mariages forcés et des violences sexuelles, ainsi que des extraits de livres, et enfin des déclarations de témoins et de participants. Cependant pas de ceux qui ont déjà témoigné ou de ceux qui ont témoigné dans les jours ou les semaines à venir. Les documents que je vais présenter tendent à établir l'existence d'une politique nationale, d'un régime, du régime qui coûte cher démocratique en cette matière, avec des variantes ou des nuances selon les lieux, selon le public qui était concerné et selon les autorités locales. Je vais commencer par les déclarations de Nuncia par rapport au mariage qui a eu lieu en 1956 et dont on retrouvera de nombreuses caractéristiques dans tous ceux qui ont été organisés par des dizaines ou centaines de milliers de personnes cambodgiennes entre 1975 et 1979. Et je pense notamment aux critères de choix de l'épouse, à la rupture avec les traditions, dont l'absence de la famille proche, d'un mariage au service de la révolution et du parti, et non pas d'un mariage pour convenance personnelle. Les déclarations d'Nuncia se trouvent dans le livre E3-4-2-0-2. C'est le livre de Gina Chon et de Thet Sambat, intitulé en français « Derrière les champs de la mort, un dirigeant Khmer Rouge et l'une de ses victimes. » L'extrait que je vais lire se figure dans le chapitre intitulé « Le nouvel ordre mondial ». En français, c'est à la page, c'est au page 0 7 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4
ឡើយរបស់នួនជា Je cite. L'institution du mariage fut déformée pour servir les besoins du parti.
comme ils avaient pour objectif de doubler la population, les Khmer Rouges voulaient augmenter le nombre de mariages. C'est pourquoi nous les avons forcés à se marier avec des femmes choisies par l'Anka. Fin de citation. Et la citation du livre continue. Donc, ils disent que c'est Nunchia qui a expliqué cela. Les jeunes filles étaient obligées d'épouser des hommes qui avaient deux fois leur âge et vice versa. La vie des intéressés était sans importance. Le mariage devint une politique gouvernementale et une institution au service de la cause révolutionnaire. Pour Nunchia, le mariage devait servir le mouvement. Lui-même s'étant marié en pensant à l'intérêt du parti. En 1956, un an après que Pol Pot se fut marié, Nunchia demanda à des membres du parti de lui trouver aussi une femme. Ma Mong, un des trois premiers membres choisis par Nunchia pour reconstruire le parti, lui dit avoir une parente éloignée, Li Kim Seng, issue d'une famille de fermiers pauvres, qui pourrait lui faire une bonne épouse. Nunchia accepta de la rencontre. Il se rendit en bus dans la province de Kampong Chenang, puis marcha une vingtaine de kilomètres jusqu'au village de sa future épouse, dans la commune de Nom. La mère de Nunchia avait également une femme en vue pour lui, mais elle essuya le refus de son fils, car la candidate provenait d'une famille riche. Suit une citation de Nunchia, je cite, « Il est difficile de vivre avec une femme qui n'a pas le même but dans la vie. Elle n'aurait pas pu supporter de lutter avec moi. » Fin de citation. Nouvelle citation, j'ai donc choisi une personne qui avait la même détermination que moi. Peu m'importe si une fille est charmante et jolie, ce n'est pas son corps que je choisis, mais ses idées et sa personnalité. Fin de la citation de Nunchia. Je poursuis la lecture de l'extrait. Lorsque Nunchia arriva chez Li Kim-seng, celle-ci se montra trop timide pour le rencontrer. Il refusa de sortir. Ses parents conçurent un plan selon lequel Nunchia parlerait à la mère dehors pendant que la fille arroserait les légumes. Ouvrez les guillemets, j'ai presque renversé toute l'eau de mon seau, a dit Li Kim-seng, se souvenant de sa nervosité sous le regard de Nunchia. Leur mariage fut célébré dans la simplicité par une petite cérémonie. Aucun des proches de Nunchia ne fut invité. J'ai juste dit à ma mère que je me mariais, a-t-il dit. Elle a répondu qu'elle viendrait à la fête, mais je lui ai répliqué qu'il ne fallait pas qu'elle vienne, parce que le voyage était trop difficile. J'irai lui présenter ma femme après le mariage. Elle m'en a fait reproche. Elle m'a demandé pourquoi je ne la laissais pas venir à la fête. Je ne la laissais pas parce que je craignais que cela fasse du tort à l'organisation. Fin de citation. Le mariage de Nunchia trouve un écho dans ceux de Yingtirit et avec Kyu Ponari, et bien sûr ces mariages ont eu lieu
un peu avant. Dans le document c'est-à-dire la page 53, en français 00 6 3 8 3 3 5, et en khmer 00 2 3 2 0 7 4, et je vais citer ce passage en anglais à l'attention des interprètes. So Elizabeth Becker is speaking of Yangtze and Yangtze's wedding, and says the following. The marriage is of more than passing interest. It not only united two heady political activists, it also brought together Kirit's eldest sister, Bonsrey របស់ព្រះរាជគឺខៀវប៉ុនរីហើយនឹងជាហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់សារីគឺសឡុតសរប៉ុនរីបានធ្វើដំណើរទៅបារាំងជាមួយប្អូនស្រីរបស់គាត់ដើម្បីទទួលយកជំនាញខាងបង្រៀនគាត់គឺជាសិស្សដ៏ពូកែឆ្លាតហើយស្អាតទៀតហើយគាត់មានចិត្តគំនិតរបស់រឹងមាំប៉ុនរីបានជួយសឡុតសនៅ Yet it was more than a marriage of friendly convenience. I really convinced that they were embarking on a serious vocation. សារីហើយនឹងសឡុតសប្រំទាំងអ្នកបដិវត្តន៍ដទៃទៀតចាំបាច់ត្រូវការនៅប្តីប្រពន្ធដែលពួកគេអាចជឿជាក់ហើយមិនមានហេតុផលអ្វីត្រូវក្បត់ពួកគេនោះទេ. Dans l'extrait précédent, Gina Chon et parle du fait que les dirigeants khmer rouge, je cite, avaient pour objectif de doubler la population. Les khmer rouge voulaient augmenter le nombre de mariages. Le territoire du Kampuchea démocratique dépasse 181 km² et comprend 6 millions d'hectares de rizières et de champs. Ces grands lacs, ces fleuves, ces étangs, ces cours d'eau sont très poissonniers. Ses forêts, son sol et sa mer abondent en richesses naturelles.
La santé de notre peuple a connu une amélioration considérable. Nous avons éliminé définitivement les maladies sociales et la toxicomanie. Un peu plus loin. Nous nous efforçons d'améliorer très rapidement les conditions de vie et la santé du peuple, car nous avons besoin d'avoir une population de 15 à 20 millions d'habitants d'ici 10 ans. La débauche, la délinquance, la prostitution, le vol, le brigandage, le banditisme, et les autres tares sociales du genre existant dans les pays impérialistes et dans la société de classe exploiteuse ont été fondamentalement éliminées par le grand mouvement de masse. Mais eu égard aux aspirations à long terme de notre peuple, le chemin que nous devons parcourir est encore long. Nous devons redoubler d'efforts. Nous nous efforçons d'améliorer davantage encore et le plus vite possible les conditions de vie du peuple pour assurer à chacun. Il y a un mot qui est illisible en français, mais probablement d'une force, solide. Donc pour assurer à chacun force, une bonne santé, un ardent patriotisme et pour assurer à tout notre peuple un accroissement rapide et continu afin de défendre et d'édifier rapidement un Kampuchea prospère. Nous n'avons aucune raison de faire baisser le chiffre de notre population ou de le maintenir au niveau actuel, car avec près de 8 millions d'habitants, notre population reste bien en deçà des possibilités de notre pays, qui en a besoin de plus de 20 millions. C'est pourquoi notre objectif est de faire augmenter très rapidement notre population. Fin de citation. Fin de citation. On constatera ici qu'on parle essentiellement de besoins. Dans une lettre aux Nations Unies 6 mois plus tard, le 22 avril 1978, Deng Xiaoyi poursuit sa justification de l'arsenalisation de la population pour défendre l'augmentation de la population, pour défendre édifier le pays. Et il parle de premier succès en ce qui concerne la politique du régime d'augmentation de cette population. C'est le document E3-BAF-13-85-E3-85. Qui est une note du ministère des Affaires étrangères de la Kampuchea démocratique au secrétaire général des Nations Unies. C'est un document ECOSOC daté du 22 avril 78. Je vais lire un extrait du paragraphe 13 qui se trouve à la page en khmer 00 70 1216. En anglais, 00 2 3 5 7 2 7 3 6 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
la mobilisation de toutes les forces nationales et populaires, le gouvernement du Cambodge démocratique a une ligne bien définie qui distingue clairement les forces stratégiques et les forces tactiques. Il sait parfaitement, selon les cas, être intransigeant et lutter avec détermination, s'unir ou faire des concessions et se montrer clément. Mais à l'égard d'une poignée de traîtres, agents des impérialistes et réactionnaires étrangers, qui cherchent à assassiner leur propre nation, leur propre peuple et leur propre révolution,
Le gouvernement applique résolument et rigoureusement la dictature du prolétariat. Par ailleurs, le gouvernement s'efforce d'améliorer dans les plus brefs délais le niveau de vie du peuple pour que chaque citoyen soit en position de grande force physique, intellectuel et moral, qui soit animé d'un patriotisme ardent, que la population de Cambodge augmente rapidement afin de défendre les défis et de rendre prospère par bon. Et il poursuit avec le même type d'argument qu'on a déjà entendu. Je cite, le gouvernement du Cambodge démocratique n'a aucune raison de faire baisser le nombre de la population ou de le maintenir au niveau actuel, car aujourd'hui, notre population de 8 millions d'habitants reste bien en deçà des possibilités de notre pays, qui en a besoin de plus de 20 millions. Trois ans après la libération totale et définitive du Cambodge, la politique visant à augmenter la population a commencé à enregistrer les premiers succès. Pol Pot, lui, a été bien plus loin encore, et il a même été jusqu'à chiffrer ce soi-disant accroissement spectaculaire de la population dans un numéro de l'étendard révolutionnaire E3. À la page en Khmer 00064 6167 et 618, en anglais 00488 6367 et en français 00524093. Il est dit ce qui suit. Je cite Pol Pot en français. Dans le domaine des affaires sociales et de la santé, nous avons connu un développement considérable également. Les maladies sociales de tout genre ont été également annihilées définitivement. Les conditions de vie de notre population toute entière sont de plus en plus assurées sur tous les plans. Notre politique de croissance démographique est en train de donner de bons résultats dans sa première étape. Du milieu de l'année 1977 jusqu'au milieu de l'année 1978, le nombre des nouveaux-nés qui naîtront sera de 392 000 sur les 7 800 000 personnes. Par conséquent, le taux de natalité sera de 50 pour 1000 de notre population tout entière. À l'époque, d'avant le coup d'État de l'année 1970, le taux de natalité n'était que de 40 pour 1000 seulement. À cette époque-là, le taux de mortalité était au moins de 18 pour 1000. À l'heure actuelle, le taux de mortalité est à peine de 13 pour 1000. Parce que de nos jours, le taux de mortalité des enfants et des bébés est en baisse. Alors, notre croissance démographique s'accélère, plus qu'à l'époque d'avant le coup d'État. Cependant, cette croissance n'est pas encore suffisante par rapport au souhait du parti qui s'est donné comme objectif d'accroître la population jusqu'à un seuil de 15 à 20 millions de personnes d'ici 10 à 15 ans. Fin de citation. Le document suivant est un extrait d'une vidéo E3/7.2.3. Dans ce film, qui est intitulé Red Wedding, réalisé par Lida Chan et Guillaume Soon. On entend la voix de Pol Pot qui parle de cet objectif d'augmenter la population. C'est son extrait qui se trouve à la minute 51 et 28 secondes, jusqu'à 52 minutes et 34 secondes. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Puis on peut demander
jouer et je demanderai simplement à partir de dissocier les images du discours, parce que ce qui compte, c'est d'entendre le discours et de lire les sous-titres en anglais. Les images ne correspondent pas au discours commencé par Pol Pot. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je ne sais pas si... En régie, on pourrait projeter ce clip vidéo E3 bar 733 3 Merci, je voudrais mentionner également l'existence du document Alors, dans ces extraits, le discours de Pol Pot, les dirigeants de SSK disent bien la même chose. Nécessité d'augmenter la population très rapidement. Pour en revenir aux statistiques relatives à l'augmentation rapide de la population, donc, du nombre de naissances dans le cadre du mariage, Nunchia a donné plus tard des chiffres encore plus édifiants sur l'accroissement de la population durant les années de régime du Kampuchea démocratique. C'est le document E3-686. C'est un rapport de la BBC intitulé « Entretien avec un dirigeant du Kampuchea démocratique sur la politique démographique et la lutte contre le Concernant le problème de la population et du développement au Kampuchea, le Kampuchea démocratique a poursuivi une politique d'accroissement de sa population. La superficie du Kampuchea est de 281 000 km². Sa population a été estimée en février 1971 à 7 771 personnes. Notre population est donc trop faible, à savoir que sa taille
Le plan quadriennal Nous avons besoin d'une démographie qui soit de l'ordre de 15 à 20 000 personnes par rapport à la superficie de notre territoire. Pour pouvoir augmenter la population rapidement, les conditions de vie et la santé de cette population doivent être améliorées à conscience. Donc, il est impératif de faire de la production générale C'est une déclaration de Kyusampan qui sera diffusée sur la radio de Je cite.
s'efforcer d'améliorer les conditions de vie, d'accroître rapidement la population, tout en offrant au peuple une formation politique, idéologique et organisationnelle de base. Point 6. Bien comprendre et mettre en œuvre le plan visant à accroître au maximum la population, afin de faire passer la population à 15-20 millions d'habitants dans les 15 prochaines années. À la page Khmer 00 3 8 2 4 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 4
le nombre d'habitants. Bien au contraire, il avait l'objectif de doubler, de tripler la population cambodgienne à 15 15 millions de personnes en 2040. Ce nombre étant nécessaire pour concrétiser différents projets qui apporteraient la puissance et la prospérité de les réaliser. Si les femmes étaient incapables de voir leur menstrue à cause de la malnutrition, la direction a reconnu ce problème. Fin de citation. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, avant de nous pencher sur le document qui émane du PCK lui-même concernant la famille et le mariage, voyons ce que dit Philip Short de la famille révolutionnaire ainsi que de son but. Et je cite le livre de Philip Short, E3-9, intitulé Pol Pot, The History of a Nightmare. C'est un extrait qui n'est pas traduit en khmer, qui porte la cote en anglais 00-3-9-6-5-3-3-4 et en français 00-6-3-9-8-8-3. Je cite Philip Short. La famille continua d'exister, mais son objectif premier fut désormais d'engendrer des enfants au service du parti. Les liens entre les différents membres de d'une famille furent dilués dans la communauté. Les mères ne devraient pas être trop encombrées par leur progéniture, déclara Pol Pot au comité central. De même, si un homme sentait qu'il commençait à s'attacher sentimentalement à sa femme ou à une femme, il devait, entre guillemets, assumer une position collectiviste et résoudre ce problème. Agir autrement, c'est prendre une position nettement privée. Le mariage, non seulement entre membres du parti, mais entre deux individus, quels qu'ils fussent, était l'affaire du parti et n'appartenait pas à la sphère privée. Le libre choix du conjoint fut explicitement condamné. Pour en souligner l'aspect social, les mariages étaient célébrés collectivement pour 10 couples au minimum. Une fois le mariage consommé, les époux vivaient souvent séparément. Les liaisons illicites étaient passibles de la peine de mort. Fin de citation de Philip Short. Alors, dans une série de documents, le
régime du Cambodge démocratique exprime comment le concept traditionnel de la famille était maintenant supplanté par celui de la famille révolutionnaire et nous dit comment penser aux intérêts propres de la famille équivalait à une trahison de la collectivité et de la révolution. C'est tout d'abord le document E3-10 qui est le magazine Jeunesse révolutionnaire, édition spéciale de septembre et octobre 1976. C'est un article qui est intitulé « Aiguiser l'idéologie de la classe prolétarienne pour qu'elle soit la plus pointue et la plus puissante qui soit ». L'extrait que je vais lire figure dans ce document à la page en khmer 000-63104, en anglais 00450538 et 39, et en français 00491905. Et en fait, je vais plutôt choisir une autre traduction qui figure dans un autre document, mais c'est exactement le même titre. C'est le document E3-138. Cette meilleure traduction se trouve à la page en khmer 00442457, en anglais 00743808-0607, et en français 00721097. Bon, je précise évidemment que l'original en khmer reste le même. C'est la traduction en français qui est meilleure dans ce deuxième document. Alors, sur le titre 4, intitulé « Au sujet de la lutte des classes entre la propriété privée des différentes classes et la propriété collectiviste de la classe prolétarienne », on trouve le point 2, appelé « Les effets négatifs et le danger de la propriété privée ». Je cite « La propriété privée n'engendre jamais d'effets positifs ». Depuis le début de notre résistance, et cela jusqu'à nos jours, du temps de la résistance politique comme du temps de la guerre, la propriété privée a touché aux intérêts de la révolution. Par exemple, ceux qui pensaient essentiellement aux intérêts familiaux devaient quitter la révolution, abandonner la révolution pour vivre à part, pour rechercher le bonheur à l'intérieur de la famille et non pas à l'intérieur du parti. À un moment donné, cela se transformera en une contradiction par rapport au parti. Fin de citation. En réalité, les membres de la famille étaient considérés comme des possessions matérielles privées. Il fallait se détacher. Et c'est ce que montre le document suivant, E3-750, un exemplaire de Jeunesse révolutionnaire de novembre 1975, dans un article intitulé « Anéantir les propriétés individuelles, personnelles, de façon claire, puis consolider et développer les propriétés collectives de façon puissante ». Ça se trouve à la page en khmer 00063614-615, en anglais 00522-24-60, en français 00582-58-56-57. Sous le titre 2, la situation de la propriété dans le rang révolutionnaire, il dit ceci.
dans les rangs révolutionnaires tous les combattants, toutes les combattantes et tous nos cadres ont tous abandonné les propriétés personnelles, telles que les maisons, les rizières, les champs potagers, les terrains de culture, la famille, les mères, les pères, les frères et sœurs, les enfants, les petits-enfants, ainsi que l'ensemble de leurs biens, pour servir le parti, pour servir la révolution et pour servir la population. Une fois intégré dans le rang de la révolution et une fois endoctriné, instruit, rectifié par le parti de façon constante, tous nos camarades ont fait des efforts pour se forger un esprit d'abandon, aussi bien sur le plan matériel, idéologique, que sur le plan sentimental, à un degré très élevé en plus. Fin de citation. Et donc, dans cet extrait, on parle d'un esprit d'abandon sur le plan sentimental. Et la propriété sentimentale est expliquée dans ce même document, à la page en Khmer 00063616 et 617, en anglais 00522464461, en français 00525858. Je cite la propriété sentimentale, deux points. C'est la préoccupation, c'est la pitié, c'est la mélancolie, c'est l'amour de sa propre famille, seul, de sa propre parenté, de ses propres frères et sœurs, de ses propres parents. Tout ceci représente des phénomènes dysfonctionnels qui ont été tous causés par la position de la propriété individuelle et personnelle, qui est une idéologie de la classe opprimante, des impérialistes, des féodaux et des capitalistes. Fin de citation. Donc on voit ici qu'il fallait se détacher de la famille, mais en même temps il fallait augmenter la population. Dans le document E3-775, le document fondamental du parti, dont le titre est « Conception du monde révolutionnaire et non révolutionnaire du problème de la fondation des familles », on a clairement cette conception du parti, de la famille. C'est un supplément réimprimé qui était conforme à un premier exemplaire de jeunesse révolutionnaire qui datait de février 1974, avant même la prise de Phnom Penh. Il a été republié en juin 1975 par le ministère de la politique militaire de la zone Est. Et à la dernière page, j'ai mentionné qu'il était aussi republié en septembre 1975 à 1000 exemplaires. Ce document explique ce qui a changé et pourquoi la famille révolutionnaire n'a de sens qu'en rapport au parti, à la révolution et à la collectivité. Et en conséquence, qu'il faut respecter les décisions de l'encart en matière notamment le choix du conjoint. Premier extrait, à la page en Khmer 00-40-7100, en anglais 00-41-79-42-43, et en français 00-59-39-29, sur le titre 2. La conception du monde révolutionnaire de la fondation des familles. Je cite, en tant que jeunes hommes et jeunes femmes révolutionnaires, nous considérons le problème de la famille comme une partie inséparable du problème de la nation et de la population tout entière. Un peu plus loin,
Si notre population était opprimée et exploitée par les impérialistes, les féodaux et les capitalistes réactionnaires, et si elle souffrait de misère infiniment, notre famille, elle aussi, serait également victime de cette même oppression. Par conséquent, la construction de la famille dans notre révolution n'a pas simplement comme but de servir les intérêts individuels, d'acquérir de la paix et de la joie. Elle n'a pas simplement comme but d'engendrer des enfants et des petits-enfants pour perpétuer le lignage. La fondation des familles est destinée à servir le processus de la révolution, à servir la réalisation des tâches éminentes, à servir la libération de la nation, la libération de la population et la libération de la classe pauvre. La fondation des familles doit servir à tendre vers la construction du socialisme et du communisme qui sont des sociétés où il n'y a pas d'exploitation humaine. Fin de citation. Nouvel extrait, deux pages plus loin, en anglais 0041-7144. En français 0059-3931. Sous le petit 2, les conséquences négatives d'une mauvaise fondation de famille. Je cite. Les ennemis stratégiques, comme les ennemis tactiques, et comme les ennemis de classe, qui vivent encore dans les régions libérées, ils rusent et ont la volonté de nous frapper de l'intérieur en introduisant leurs acolytes qui viendraient ronger et saccager nos rangs, en incitant nos enfants et nos petits-enfants à s'allier avec les leurs. Ensuite, ils manipuleraient par le biais des sentiments familiaux pour nous pousser et nous couper de la révolution, pour que nous nous opposions à la révolution, ou pour que nous trahissions les intérêts de la révolution et de la population, et pour aller servir les intérêts de leur famille et défendre plutôt leur classe, etc. Par conséquent, nos jeunes hommes et nos jeunes femmes révolutionnaires doivent faire bien attention et doivent être vigilants par rapport à ce problème de fondation de famille. Si on ne respectait pas la discipline de l'encart, si on ne respectait pas la collectivité, si on n'adoptait pas une position révolutionnaire qui soit inébranlable, et si on était libertin sur le plan moral, à tout vent, ce serait sûr et certain qu'on ne serait pas en mesure de construire correctement sa famille, conformément à notre ligne révolutionnaire. Et puis ce serait sûr et certain qu'on tomberait sur des mauvais éléments ou même sur des agents infiltrés des ennemis. Ce serait tout à fait possible. Évidemment, pour éviter ce danger, le parti va jouer alors un rôle dans le choix. Dans ce document E3775, il y a donc des passages explicites qui affirment que les décisions de la collectivité et donc de l'encart, l'organisation, concernant le choix de l'époux ou de l'épouse, doivent être absolument respectées, puisque en quelque sorte, l'encart sait mieux qui doit se marier avec qui. Et c'est sous le numéro en Khmer 0040-7100-01 en anglais 0041-7943 en français 0059-3931.
3.0. Titre 1. De quelle façon nos jeunes hommes et nos jeunes femmes devraient-ils choisir leur conjoint? Je cite, pour pouvoir réaliser les tâches révolutionnaires avec succès, nos jeunes hommes et nos jeunes femmes doivent être de la plus grande vigilance dans le choix de leur conjoint. Petit 1 en français, petit 1 en anglais. Il faut être vigilant par rapport à l'inconduite morale des femmes et des hommes. Il ne faut pas être libertin n'importe quand et n'importe comment. En cas de problème, il faut informer l'ANCA et la collectivité en toute honnêteté pour qu'elle l'aide à trouver des solutions. Petit B ou petit 2, et c'est le plus important, je cite, il faut respecter la discipline de l'ANCA à tout prix. Dans ce problème de fondation des familles, de quelque façon que l'encart et la collectivité examinent et décident, il faut à tout prix la respecter. Il ne faut pas être déçu, il ne faut pas contester. En effet, seul l'encart et la collectivité sont capables d'examiner le problème avec minutie et sous tous les angles. De ce fait, il ne faut pas être subjectif selon les sentiments personnels. Petit C ou petit 3, il ne faut pas trop se précipiter. Il faut tout d'abord examiner la biographie très précisément. En d'autres termes, elle doit être pure, à la fois sur le plan du mode de vie, que sur le plan politique, sans aucune intelligence avec les filières ennemies ou avec les mauvais éléments. Petit D ou petit 4, si l'intéressé est dans le même rang, il faut choisir quelqu'un qui est une position révolutionnaire inébranlable. Quelle que soit sa fonction, il faut que l'intéressé est une position de combat absolue dans l'accomplissement des tâches révolutionnaires pour le parti, pour la révolution et pour la population, parfaitement, en permanence. Par conséquent, on ne choisit pas quelqu'un qui ait un physique agréable, qui soit élégant, qui soit bien présenté, qui soit luxueux, qui soit à la mode impérialiste. On ne choisit pas un conjoint qui soit le fils ou la fille de gens fortunés, ou un conjoint qui ait des connaissances et la culture de l'ancien régime, ou un conjoint qui soit éloquent, ou un camarade qui posséderait des pistolets, des fusils, ou une fonction élevée. Fin de citation. Je pense qu'en lisant cela, vous vous rappellerez ce que Nunchia avait fait lorsqu'il avait choisi son épouse. La nécessité de respecter les décisions ultimes de l'ANCA en matière de choix de l'épouse et de l'époux que l'on trouve, cette nécessité, on la trouve bien expliquée dans le document E3775 que je viens de lire. Mais il faut mettre ce document E3/775 qui fonde en quelque sorte toute la politique à propos de la famille du parti. Il faut le mettre en perspective parce qu'il vient éclairer un autre document, un document postérieur qui date d'octobre 1978 et qui est le document E3/765, souvent cité par la Défense à cette audience. C'est un magazine jeunesse révolutionnaire et un article qui est intitulé « Prendre soin d'assimiler les 12 points de la morale des révolutionnaires ». À la page en anglais, 0053 9994.
en Khmer 00 37 64 93 et 94, en français 00 54 00 24 et 25. Il y a un commentaire sur la fameuse règle 6 qui est intitulée « Ne jamais porter atteinte aux femmes ». Je cite « À propos de la formation de la vie conjugale, il n'y a en fait aucun obstacle à cela aujourd'hui, à condition de se fonder sur les deux principes du parti. Premièrement, les deux intéressés concernés sont d'accord. Deuxièmement, la collectivité est favorable. Et voilà, c'est fait. Il n'y a pas de raison qui nous oblige à enfreindre la morale sexuelle. Fin de citation. Donc on voit que la collectivité doit être favorable, même lorsque les époux, les futurs époux se choisissent. À l'époque du Kampuchea démocratique, ce sera peut-être ma dernière citation avant la pause, les jeunes qui se marient doivent accepter de se sacrifier corps et âme pour la révolution et l'encre. Et quand je dis corps et âme, c'est littéralement corps et âme. La collectivité passant, ils doivent se sacrifier pour la collectivité en passant au-dessus de leurs propres aspirations personnelles et de leurs propres projets. C'est ce que raconte un article de la revue Jeunesse révolutionnaire d'avril 1976, qui donne un modèle à suivre en termes de famille idéale et en termes de renoncement à ses aspirations personnelles. C'est ce document 3.7.3.2. Un article qui est intitulé en français, la jeune femme Thorne a fait tous les sacrifices de façon inconditionnelle pour la révolution et pour la population. Et cet extrait se trouve en français à la page 00 61 15 26 et 27, en Khmer 00 64 3 09 00 39 24 5 1. Je cite la jeune femme Thorne, éduquée et initiée à la fois sur le plan politique, idéologique et sur le plan du commandement révolutionnaire, au fur et à mesure par l'encart secrète du parti dans la ville de Phnom Penh, a acquis une conscience révolutionnaire de plus en plus élevée et une colère nationale et une colère de classe qui bouillonnait en permanence. Elle était déterminée à sacrifier ses forces physiques, ses forces psychologiques, sa jeunesse et sa vie pour le parti, pour les causes de la révolution et de la population, et pour les causes de la libération de la classe pauvre. Je saute un passage. Ensuite, l'article poursuit. Je cite « Peu de temps après le coup d'État, le parti lui a proposé d'abandonner ses études et de se marier avec un camarade appelé Nhem. N-H-E-M. Le parti lui a ensuite demandé de retourner gagner sa vie en faisant des travaux d'agriculture dans son village natal. Elle était chargée de mettre sur pied un relais de messagers qui avait mission de prodiguer des renseignements sur les ennemis aux régions libérées et d'assurer la liaison entre les régions libérées et l'encart du parti. Oui, vous avez raison, Monsieur le Président. Je vais reprendre la dernière phrase. Donc, la jeune femme Thorne était chargée de mettre sur pied un relais de messagers
qui avait mission de prodiguer des renseignements sur les ennemis aux régions libérées et d'assurer la liaison entre les régions libérées et l'encadre du parti. Le camarade Thorn a accepté la proposition du parti et toutes les recommandations du parti avec la plus grande sérénité, sans aucun embarras, sans déception ou sans regret d'avoir abandonné ses études. La camarade Thorn s'est mariée avec le camarade Nguyen et est retournée gagner sa vie en faisant des travaux d'agriculture avec ses parents dans le district de Mukkampul. La camarade Thorn et son mari, le camarade Nguyen, d'une part, s'efforçaient toujours d'accomplir les tâches révolutionnaires confiées par le parti avec succès. Nuit et jour. Et d'autre part, ils s'évertuaient à faire des travaux d'agriculture pour gagner leur vie en tant que pauvres et pour dissimuler leurs activités révolutionnaires. Au début de l'année 1971, ils ont eu un fils qu'ils adoraient et qui constituait la fortune la plus précieuse de cette nouvelle famille révolutionnaire. Ils avaient beau être pris par leur jeune enfant et par les travaux d'agriculture, la camarade Thorn et le camarade Nguyen n'ont jamais suspendu ou reporté leur tâche révolutionnaire. Jamais. Pas une seule fois. Fin de citation. Voilà, je vais conclure peut-être sur cette citation qui montre ce qu'est l'idéal de la famille révolutionnaire. En tout cas, avant avril 1975, et je reprendrai après la pause, plus spécifiquement, des documents qui concernent à ce moment-là davantage le mariage en tant que tel. Merci. Merci.